weekends to you all out there, televiewers of MyMedia Prime. It's Friday and we are ending the week together. It's your favorite program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. The unknown, we are talking about the public conciliators for the northwest and southwest regions of Cameroon. They were appointed yesterday by separate presidential decrees, making them pioneer heads of the set post of responsibility in the northwest and the southwest regions of Cameroon. That is our package today, or that's what the English newspapers are focusing on this morning. Let's go find out what the French newspapers have for their readers this morning, televiewers. Bonjour, Lacha Kingsley. Bonjour, Audrey. Bonjour. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Merci de nous retrouver une fois de plus. C'est la dernière édition de cette semaine. Débutons tout de suite notre exercice de ce matin. Le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La suite de l'enquête liée au COVID Gate au Cameroun. Et bien sûr, la visite du premier du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, à Garoua-Boulaye, meuble la presse écrite francophone ce matin. Et on débute avec le journal Capitaux Publics et Cameroun Tribune qui parle justement à sa une de statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le dispositif au complet. D'après le journal, la nomination hier par le président de la République, Paul Biya, des Public Independent Conciliators parachève la mise en place des organes prévus par le Code général des collectivités territoriales décentralisées pour ceux des deux régions. Retour sur le rôle de ces médiateurs, profil et première réaction de Telen Dorothy Atangbong et de Tamfu Simon Faye du Nord-Ouest. Bien sûr, c'est dans la page 4 du journal Cameroun Tribune. Poursuivons avec le Tri-Hebdo le soir qui parle de la visite du Minat qui a justement reçu, qui a remis un don présidentiel à 3250 réfugiés centrafricains. Il était justement là au nom du président de la République. Après Garoua-Boulaye, le Minat s'est donc rendu aujourd'hui à Kenzou pour perpétrer cette solidarité à l'adresse des personnes en détresse. Voilà, vous aurez plus d'informations à ce sujet dans les pages 2 et 3 du journal le soir. Dans un autre journal, Mutation, dans sa dernière livraison de cette semaine, nous apprend que relativement à l'enquête sur la gestion des fonds COVID-19 au Cameroun, les limiers du tribunal criminel spécial ont auditionné le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, sur la gestion des 6 milliards de francs CFA alloués à son département ministériel dans le cadre de cette opération. Terminons avec le journal Essingang qui parle du titre foncier et donne la parole à Roger Raoul Belibi, directeur des domaines du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Dans leur entretien, ce dernier donne d'amples détails sur la circulaire signée le 4 juin 2021 par le ministre de ce secteur, Henri Eyebéa ici. On apprend par exemple que les utilisateurs des titres fonciers déchus sont passibles de poursuites judiciaires. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place à toi, Lacha Kingsley, en anglais. Merci, Audrey Zaxa. Let's kick start with the Guardian Post newspaper this morning. The paper is equally interested in the appointment of the pioneer public independent conciliators for the northwest and southwest regions of Cameroon. Fai Simon is one of those. He will be heading that post of responsibility in the northwest region of the country, while Dorothy Atabong was equally appointed to head that of the southwest region of Cameroon. They were appointed yesterday by separate decrees signed by President Paul Biya of the Republic of Cameroon. Let's talk about alleged embezzlement of COVID-19 funds in Cameroon. We are told that a laborer detained for insulting President Paul Biya and ministers, a young Cameroonian said to be in his 30s, working at a banana plantation in Jombe Penja, Mongo division of the littoral region, who appeared in a video that went viral on social media recently, insulting the head of state Paul Biya and the top government officials for allegedly siphoning billions of francs CFA meant for the fight against COVID-19 pandemic
is reported to have been arrested and taken into custody by security forces. The young plantation worker whose name the paper is yet to get went hard on the country's top officials, accusing them of illicit enrichment at the detriment of Cameroonians who continue to suffer without basic social services to better their lives or living conditions in the country. Paul Atanganji in the east region of the country, the Minister of Territorial Administration of Cameroon, has handed over relief aid to Central African refugees. Minister Paul Atanganji of Territorial Administration has handed President Biya's relief aid to refugees from Central African Republic. That was in a ceremony yesterday. The head of state came to the aid of refugees from Central Africa living in Garoua Bolai, Lom and Jerem division of the east region of Cameroon. The president, through his envoy, Minister Paul Atanganji, made available humanitarian aid, some 3,250 beneficiaries. That was yesterday during a ceremony at Garoua Bolai in the east region of Cameroon. Let's leave the Guardian Post newspaper. Before that, former PCC moderator, the very Reverend Nyansako Ninko, interred today in Kumba, Meme division of the southwest region of Cameroon. On to In-Depth newspaper, which is also interested in the appointment and the completion of the special status given to the northwest and southwest regions of Cameroon during the major national dialogue in Yaoundé. Northwest get public independent conciliator, as well as the southwest regions of the country. Tanfu Simon Fai and Talinin Dorothy Tabon get President Paul Biya a note, as we are told by In-Depth newspaper. Visa in restrictions on those purportedly blocking peace from returning in the northwest and southwest regions of the country. The paper writes that U.S. Imposes visa restrictions on individuals believed to be undermining Cameroon's peace efforts. But to what end? That's a question the paper is questioning this morning. Still talking about the visa restriction, the Bishop of Kumbu, Monseigneur George Nku, has said that the visa restriction is just a cosmetic solution being issued by the U.S. Government. On to this other newspaper, we are talking about the Post Weekender. The Post Weekender this morning talking about COVID gate in the country, calls for Diongute resignation over COVID gate in the country. The paper is questioning this morning, should PM be scapegoated for licensed unruly ministers? Thievery, that's a question the Post Weekender is asking this morning. The paper is also asking, is an Anglophone PM in Cameroon really head of government? This is coming as a result of calls by several Cameroonians who have become attorney or who have become prosecutors on the social media, as well as those who think that the government of the Republic of Cameroon and PM Diongute did not manage the COVID funds recently and so should be arrested and locked up. You can get more details about the recent outing by Cameroonian, especially a political party which wanted to stage a protest, of course, which was banned by the senior divisional officer or the divisional officer for Yaoundé 1, Haruna Njondi, in Yaoundé, for those political parties which wanted to stage a protest march and demand for the immediate resignation of PM Chief Dr. Joseph Diongute. The paper is also interested in the release of Sisiku Ayuk lawyers after pressure, according to the paper, from international the international community, as well as Cameroonians and lawyers in the country. The lawyers to Sisiku Ayuk Tabe has finally been released after much pressure coming from all ends on the government of the Republic of Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio
to continue with the discussions this morning. Abomotongina Gladys, our strong or iron lady, is already with us in the house. Bonjour, une fois de plus, Gladys. Bonjour, la Chakitsi. How are you doing this morning? I'm doing great. Friday, I can see you are already hot, smart. Yeah, for sure. This where is are Friday. We going this Friday after my stress? No, no way. Okay, Gladys, let's begin with this issue of a Cameroonian that has been reportedly arrested for allegedly or insulting President Paul Biya and the entire government of Chief Dr. Joseph Diongute through a video which went viral on the social media. It's a plantation worker in Jombe Penja, Mongo division of the littoral region of Cameroon. He was reportedly whisked off by security forces in that part of the country, and he has gone incommunicado up to today. So what do you have to say to that? Wow. When we have seen somebody who slapped Emmanuel Macron, giving 4 months sentence, and you know, it is c'est vrai que à des moments, ça dépend aussi du contenu du message de ce jeune homme. Now the content is about the mismanagement of COVID-19 funds in the country. It states clearly, if we can have that paper zoomed on the screen so our televiewers could also have a bite of the message of that young man. The young man is saying that Cameroonians are suffering. Meanwhile, monies that were given to the government of Cameroon, I mean money borrowed for him to pay, and he's already paying. We all know all Cameroonians will pay through taxes, will pay the money. And the government of Diongute is accusing them of not managing the funds very well. So he insulted President Paul Biya and the government of Diongute. That's what I'm saying. When you say we talk about insulting, when we talk about insulting, it's too high. S'il a vraiment insulté, parce qu'il y a une chose de dénoncer, il y a une chose de dénoncer quelque chose. Il a même insulté les parties génitales de la maman du président de la République. Là, c'est déjà outrage. C'est normal qu'il soit arrêté. Tu ne peux pas insulter quelqu'un et espérer ne pas payer les conséquences de ça. Tu peux dénoncer quelque chose. Oui, c'est ce que nous tous on fait. On dénonce des choses. On décrit des problèmes. So mais on n'insulte pas les gens. He didn't package his message, right? Non, c'est pas ça. Il est allé au-delà, en fait. Ouais. Okay. Il aurait dû rester dans le cadre de ce qu'il était en train de demander. C'est quand même aberrant de savoir que on insulte ta maman quelque part. Et je pense que même si c'est lui et qu'on insulte sa maman, ta frustration ne doit pas te pousser à aller hors la loi. Let me land. Don't you think it's frustration that might have led him, or maybe he's gradually getting sick mentally, and because of the frustration he went out of hand, and should President Paul Biya not forgive him for doing that? We all know that even President Paul Biya is disappointed with his ministers when it comes to that money. C'est très clair. Il est très clair que le jeune homme, il a bien fait de dénoncer quelque chose, et c'est ce que nous tous on fait. Quand on arrive sur des plateaux comme ceci, on essaie. He's a plantation worker, and you know how laborers suffer when it comes to this. Je peux comprendre sa colère, qui est la colère de tous les Camerounais. Yes. Qui est la colère de tous les Camerounais. Ce n'est pas lui seul, il n'est pas le seul Camerounais à être dans cette histoire. Nous sommes tous plongés à l'intérieur. Et nous tous, nous ne sommes pas contents du tout. Mais ce n'est pas une raison pour aller à l'encontre de la loi. Nul n'est au-delà de la loi. Si tu insultes quelqu'un, tu dois répondre de ça. C'est très clair. C'est pareil si quelqu'un l'insulte et qu'il va se plaindre, on va emprisonner la personne. Et donc ce n'est que quelque chose de normal. Le président a le droit d'invoquer l'outrage à magistrat. Bien sûr, ce n'est que normal. Mais la seule chose que je peux dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on lui accorde une doléance, parce qu'effectivement, il est allé hors de lui. Il était vraiment fâché, mais il est allé hors de lui. C'est juste ça. Mais je ne sais pas, vous ne vous rendez pas compte que depuis un certain moment, les hommes politiques, l'image des hommes politiques dégradée de plus en plus par les citoyens et autres. On voit beaucoup d'insultes, des personnes qui insultent les chefs d'État, des hommes politiques et autres. Oui, mais si vous avez des membres du Parlement qui sont en Parlement, just look for, take for example the finance law of 2021 that is in application right now. The members of Parliament, they go there. When they sit there, they don't do anything, but they are representing the people. How do you expect these people to give them the respect? We've even seen some of these members of parliament who were part of the sharing, in quote, sharing of the 180 billion.
with their so-called companies and everything. C'est normal, c'est normal. C'est normal que les Camerounais soient frustrés. C'est normal que les Camerounais soient fâchés. C'est normal qu'ils soient poussés à bout. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'insulter. C'est ça qui n'est pas normal. On ne peut pas encourager ce qui est immoral, non. Je suis en train de dire quelque chose d'Acha Kinsley. Tu peux revendiquer quelque chose. On comprend que tu revendiques quelque chose. Tu te tiens sur ce que tu es en train de dire. Mais quand tu vas au-delà de ça, c'est-à-dire insulter des personnes, insulter les membres de leur famille, là c'est autre chose. Ce n'est plus, tu n'es plus en train de revendiquer encore est-ce que cela est productif. Mais est-ce que ces ministres l'ont insulté? Non. Est-ce que le président de la République l'a insulté? Non. Donc du coup, about the president of the Republic, voilà. Donc du coup, à la fin, il est allé hors la loi. Yes. Donc la seule chose ici à faire, c'est de supplier qu'on le prenne de manière légère. Il est fâché et le président. Ils perdent leur esprit. Non, mais en même temps, ils n'ont pas fait aussi beaucoup pour ne pas le perdre. Hein. En même temps, quand on a l'impression quand ils agissent que ils sont pas vraiment, ils ne méritent pas être où ils sont. Ce n'est que normal qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais se posent des questions de savoir, mais attends, est-ce que ce ministre-ci ou tel autre ministre était capable d'assumer cette fonction? Quand on parle des fonds Covid, la liste, elle est énorme. C'est un scandale. S'il faut arriver à dire que, ok, si par après, on sort que tous ces ministres étaient coupables, mais c'est un scandale. C'est un scandale pour le Cameroun, c'est un scandale pour l'Afrique. Comment est-ce qu'au regard de ça, on ne va pas les mépriser? C'est normal. C'est toi qui attires le respect, c'est toi qui attires le mépris. Et c'est en fonction de comment tu te comportes avec les uns et les autres et comment est-ce que tu gères. Gardez, okay. Tu penses quoi de cette gifle au président Macron? The guy has been sentenced to 18 months in prison with 14 of the 18 months suspended. Je peux dire quelque chose ici et puis maman vient me transporter. Non. Tu sais, cette gifle, j'ai eu l'impression que en fait, non mais c'est bon. Il a fait ce qu'il devait faire en tout cas. De toute façon. Okay. Il a évacué sa colère. Oui. Gladys, yesterday, President Paul Biya signed separate decrees appointing public independent conciliators for the northwest and southwest regions of Cameroon to complete the special status that was given to the northwest and southwest regions during the major national dialogue. Do you really think that these public independent conciliators will really bring the much needed peace in the Northwest, because they will have to act like mediators between the regional council and the other administration in the region when conflicts arise, because we know there must be conflicts. Acha Kinsley, la première chose, c'est que jusqu'ici, moi, je ne comprends pas ce qui est un statut spécial. C'est d'abord là le premier problème. Non, on reste. Bon. On reste maintenant, on me parle de plusieurs actions. Il y a des choses, il y a des fonctions qui ont été créées et tout ça et tout ça. C'est bien beau, mais est-ce que à la fin, ce sera opérationnel? Non, it's already operational. On peut dire que c'est opérationnel. Est-ce qu'on va voir le résultat de ça? Non, the regional assembly has already been set up. We've had them voted their budget. Literal 3 billion. C'est ça en fait. Hein. Tout au Cameroun, yeah. Dès qu'on crée quelque chose, c'est des budgets et c'est l'argent qui sort. They have buildings that will be constructed. Most of them don't have buildings, right? Most of them need to pay workers. They need to train themselves, arm themselves, since it's just a new institution that we are getting into. So you cannot be crying of 3 billion that probably is much money. Kick start a new institution. La dette du Cameroun, c'est combien? No, we are not talking about the debt. Si 3 milliards, c'est petit. It was in the budget. C'est pour dire quoi, Acha Kinsley? Chaque fois au Cameroun, on a des idées, on a des choses qu'on veut faire, on a des projets qu'on veut faire. Et ces projets ne nous prennent pas moins d'argent. C'est toujours beaucoup d'argent. Et à la fin, on se rend compte que c'est un argent qui a été investi, on ne voit pas le résultat. Si cet argent est investi cette fois-ci et que par après, ces gars travaillent et qu'il y a le résultat, tant mieux. Mais si à la fin, c'est pour dépenser un autre 3 milliards et sans résultat, ça ne vaut pas la peine. Je ne juge pas, mais je suis en train de dire quelque chose, c'est qu'au Cameroun, on a l'art de créer des postes et des positions
est sorti de l'argent mettre dedans Gladys, et à la fin on ne voit pas le résultat. This is 1996 constitution. We are not creating Gladys. L'achat 15. 1996 constitution was amended. The constitution that was amended in 1996. We are talking about the 1996 constitution of Cameroon. Which says that Cameroon is a 10 decentralized region. Depuis quand ça a été opérationnel? No, even if it is after ça n'a jamais été opérationnel. Years, alors, years, si au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est opérationnel et que par après, on alloue des fonds à cela et à la fin, on ne voit pas le résultat positif, moi j'ai un problème avec. Donc, le plus important ici, c'est que après que tout ceci a été fait, qu'il y ait le résultat, que cela soit effectif, que ce ne soit pas juste des positions qu'on donne et des argents, des enveloppes qu'on donne et des agents, des financements qu'on donne sans résultat à la fin. Non, franchement, que cette fonction. Ce n'est pas ça le problème. Tu n'es pas en train de comprendre mon problème. Yes. Mon souci ici, c'est le résultat. C'est pas la première fois qu'on alloue des fonds à des choses, qu'on met l'argent des Camerounais dans des choses et à la fin on voit pas le résultat. Ces fonctions qui ont été créées, c'est pour le bien des populations camerounaises. Donc il faudrait que cet argent qui a été alloué apporte ce résultat à la fin. Si à la fin il n'y a pas de résultat, c'est là où il y aura problème. Parce qu'on ne peut pas continuer à investir sans retour sur investissement. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps au Cameroun. On investit, il n'y a jamais de retour sur investissement. Est-ce que l'argent là on investit? Mais c'est un argent investi, puisque à la fin c'est l'argent du contribuable camerounais. Donc on a besoin du résultat, c'est tout. Ok, we need results, Gladys. We need results. Ok. Audrey, we have 2 minutes. Je voulais qu'on touche un petit peu le sujet de la route Babadjou Bamenda. Mm-hmm. Le ministre a justement informé que la reprise des travaux seront effectives d'ici peu. Et on se souvient que beaucoup de populations de ce d'ici peu, c'est quand? Hanganundu, we see light again, because many people are accusing you of lying. Moi, quand j'entends d'ici peu, c'est quand? Gladys, c'est une population, date. Les populations se sont plaintes, fatiguées par rapport à cette route-là. Mais finalement, il a assuré tout le monde que les travaux est-ce vont que c'est la première fois. Que Nganou a encore menti. Non, mais là, moi, je pose la question. Est-ce que c'est la première fois qu'il assure les mais populations? Mais cette fois-ci, il est serré. Lui, ok, quelle est dans la date? Non, on va voir. D'ici peu. D'ici peu, d'accord. D'ici peu, ça peut être dans 2 ans, dans 10 ans. D'ici peu. It is 7 years since that. Non, construction. Mais d'ici peu, on avance. Mais la route. Gladys, no, but is there any hope? Is there any hope that this time around, taking into consideration vu the cries of Cameroonians and the state of that route? Vu qu'ils avaient cessé les travaux de ce côté-là à cause de la crise sécuritaire du Nord-Ouest, la crise s'est arrêtée. Justement, c'est la crise ne s'est pas arrêtée. Et il n'y a pas de date fixe. Donc on attend d'ici peu. Okay. C'est tout. Ok Gladys, thank you for coming. Eh? This morning you are very, you are very, very strict, or let me put it this way, very frank with what is happening in Cameroon. Gladys Bomotongina, you are always with us here on the program to dig several layers beneath the striking headlines that the papers carry in the country. Thank you so much for coming and do have a great weekend. Eh? You have a great weekend too, televiewers and Audrey Zaksa. Yeah, thank you. Bon week-end à vous, fidèles téléspectateurs. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même heure, donc 10h du matin. Thank you for watching, televiewers. Have a great weekend. And of course, the program was produced by Christian Tebon. For presentation, we are always Audrey Zaksa and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye. See you on Monday.